Didier Deschamps, pourquoi ? Le côté sportif, bien entendu, et l'idée de dire à travers Didier Deschamps, eh bien, le petit beurre est plein de bonnes choses. Un grand sportif comme Didier Deschamps en mange et en donne à ses coéquipiers. Et surtout, le côté protecteur et humain de Didier Deschamps, partenaire de ses coéquipiers, conseiller, je dirais presque bras droit d'Aimé Jacquet au travers l'ensemble de la Coupe du Monde, avec la volonté de montrer Didier Deschamps comme le grand frère de cette équipe. Et donc le grand frère qui a ses secrets, et son secret c'était la dose de véritable petit beurre, notamment le jour de ce grand match. Bonjour. Alors, le Brésil, on va les manger. Vas-y, refais encore. Du coup, je le mange. Hein. Ouais, vas-y, mange-le. Vas-y, rentre dans le champ en le mangeant, c'est très bien. Alors, le match, vous le sentez comment? Facile, on va les manger. C'est bon ce que vous mangez? La main, c'est bon. Super bon. Il a dilué un produit sain avec à base de 70% de blé et non pas de beurre, il faut le dire. Ça fait pas grossir, il faut en manger modérément. J'ai mangé l'autre gâteau. Hein. Vous êtes payé pour ça, faut bouffer mon gars. Le matin, petit déjeuner, c'est très bien. Je l'attaque par. J'ai pas de préférence, à gauche, à droite, derrière, devant. Ça s'attaque de partout. C'est pas dangereux, c'est inoffensif, donc il n'y a pas de problème. Action! Bonjour. Alors, le match? On va les niquer. C'était la meilleure. Pourquoi il n'a pas fait? Bonne journée. Voilà. Non. Si. C'est ça qu'on fait. Arrivederci. Alors, on va comme ça.